Ok les amis, aujourd'hui c'est samedi et ce midi c'est burger. Et je suis assez énervée parce que comme tous les matins, je me fais avoir. Et je suis encore en pyjama parce que Noémie est à la sieste, voilà. Dans la pièce où il y a mon linge. Les amis, il est 14h, Olivia est à la sieste, Noémie ne veut pas dormir. Elena est en train de faire des soleils. Je vais vous montrer d'ailleurs juste après. On est en train de travailler sur les soleils. Et là, sur les chiffres, elle est en train d'écrire les chiffres. Excusez-moi pour le cadrage. Et moi, je suis lancée dans un projet de création couture que j'ai commencé, pas quand j'étais petite, mais que j'ai commencé quand je devais avoir, je sais pas moi, 20 ans peut-être. Ça remonte à très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai eu 20 ans. Oui, 33 ans cette année. Bref, je voulais vous montrer ce que c'est. C'est un projet qui est long et fastidieux, mais ça me tient à cœur de le terminer parce que je l'avais commencé il y a tellement longtemps que là j'ai vraiment envie de le finir, quoi. Hein. Je sais pas trop ce que j'en ferai d'ailleurs, hein, parce qu'il faudrait vraiment que je l'agrandisse. Ouais, ou alors j'ai vraiment le faire grand, grand, grand. Je vais vous montrer. Déjà, vous voyez Noémie ici. En fait, je pense qu'elle est obsédée par l'envie de se déplacer. Donc, elle se met à quatre pattes. Et maintenant, elle rampe, hein. Et du coup elle veut pas dormir. Voilà les soleils d'Elena. Bon, bien évidemment celui qui est plus canon c'est moi qui l'ai fait. Et là on travaille sur les chiffres. C'est pas mal Elena. Bon, y a un peu des ratés par là, mais honnêtement y a de l'idée, hein. Y a de l'idée. On voit que les plus gros là tu les as plus réussis. Bien Elena, continue comme ça. Voilà donc mon projet couture. Bon, il n'y a rien de fou, c'est hyper facile à faire, hein, mais c'est juste que c'est très long. Nya, nya, nya. Alors, voilà la grandeur du truc actuellement. Oui, attends. Et là en fait donc c'est, il faut faire des petits hexagones comme ça et un à un ensuite on les coud ensemble, soit en fleurs, soit n'importe comment, et on les joint bout à bout pour faire une grande couverture. Et ensuite en dessous je vais doubler et mettre un beau tissu pour le fermer et puis recoudre tout ça proprement, les bords et tout. Et voilà, ça peut faire un couvre-lit mendiant, un tapis mendiant, et c'est pas mal avec les chutes. Un, deux, trois. Oh wow. Yeah. Elena, t'as le lapin. Et Olivia, la grenouille. Bibou a retrouvé des plaques de tatouages thermocollants, autocollants, là, bref, pour enfants. Et pour la petite anecdote, c'est des trucs qui sont super vieux. C'était un site internet auquel je jouais comme ça pour rigoler quand j'étais adolescent. Ça s'appelait prizy.com. Alors, seuls les anciens peuvent connaître ce site-là parce qu'il n'existe plus. Il a même été fermé, procès pour arnaque, etc. Mais c'était un site très réputé à l'époque. Tu avais des petits jeux comme ça à l'époque des débuts d'Internet. Hein. J'avais 15 ans, peut-être jusqu'à mes 20 ans. Et j'avais gagné ça. J'avais gagné des petites peluches Prizy. J'avais gagné des tatouages Prizy.com. Et j'ai amassé. Et puis, ouais, elle a retrouvé ça. Et elle a dit, tiens, ça, on va pas jeter. Elle va pas jeter. On va les ressortir. Et ben voilà. Et ben, on en a plein. Là, on en a fait deux. On en a au moins 40. T'as des grenouilles, des lapins, des plein de petits trucs franchement super mignons. Donc c'est le premier tatouage d'Elena et Olivia. On en a vraiment beaucoup. Hein. Il y a que ça. Mais il y en a combien? Il y en a franchement pas mal. Hein. Bah, il y en a 3 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 fois 12. Ouais, voilà. Ça nous fait donc 3 fois 12 36. Coucou les
Eh, c'est dimanche aujourd'hui, les amis, et on charge la voiture, on s'en va. On va à Narbonne. Eh, du coup, vous l'avez vu, j'ai chargé la lessive et les produits ménagers, parce qu'on va en laisser quelques-uns à Christelle et Julien. On va leur dire de faire un peu leur choix là-dedans. Je crois qu'ils n'ont pas de parquet, donc tout ce qui est nettoyage du sol, parquet stratifié, tout ça, bah, ils n'utiliseront pas. Mais la lessive et tout, ils vont prendre probablement. Nous, on ne peut pas utiliser cette lessive-là parce que, comme on vous l'a dit, c'est des lessives qu'on avait depuis longtemps et qui ne sont pas compatibles avec les couches lavables. On vous avait posé la question en vlog, comment, quoi faire de tout ça. Vous avez été très nombreux à nous dire, donnez-la à des associations. J'ai appelé une association, je ne vais pas vous dire laquelle parce que c'est l'antenne locale d'une association ici dans les Pyrénées-Orientales, hein, donc il y en a plein, hein, mais je ne vais pas vous dire laquelle. Et je leur ai demandé, voilà, j'ai de la lessive, j'ai des produits ménagers, est-ce que je peux vous les donner pour vos bénéficiaires, pour les familles plus défavorisées? La première question qu'elle m'a posée, c'est est-ce qu'ils sont neufs? Et je lui ai dit non. Après, il y a de la lessive qui est en petite boule là, je ne sais pas comment on appelle ça là. Mais elle m'a dit non, mais monsieur, de toute façon, c'est très gentil, mais si les produits sont pas neufs, s'ils sont entamés, on les prend plus. Et après réflexion, c'est vrai que quand ils pensent, à l'époque, je me rappelle avec mes parents, on allait donner à la Croix-Rouge des vêtements, par exemple, usagés, hein, pas des vêtements neufs, mais on allait donner des vêtements d'occasion, encore en bon état. Tu pouvais donner des jouets aussi d'occasion à plus ou moins certaines associations, etc. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué de donner à des associations type la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, le Secours Catholique, je ne vais pas toutes les citer. Ils demandent de plus en plus des produits neufs parce qu'ils partent du principe que les familles défavorisées, pour ne pas qu'elles se sentent encore plus défavorisées, elles ont besoin aussi d'avoir des produits neufs comme les copains-copines ont à la maison, par exemple. Et donc, c'est vrai que les jouets, maintenant, ils demandent à chaque période de Noël les dons de jouets neufs. Et je suis partagé avec toute cette nouvelle façon de faire. Je sais pas, commentez, dites-moi un peu ce que vous pensez de ça, parce que c'est vrai que, en soi, ça se tient, effectivement. Maintenant, je veux dire, pourquoi est-ce que les familles défavorisées ne pourraient pas aussi bénéficier de jouets de Noël totalement neufs dans l'emballage, etc. Parce que les enfants sont beaucoup plus heureux, entre guillemets, de se dire « Ah, j'ai vraiment un vélo neuf !» Mais en même temps, du coup, tous ces objets d'occasion que nous, on a et qu'on aimerait donner, bon là, c'est produits ménagers, mais aussi pour les produits ménagers, elle m'a dit en plus que on sait pas ce qu'il y a dedans, parce que c'est vrai, tu ouvres un produit ménager, peut-être tu peux mettre de l'acide dedans, je sais pas. C'est ça qu'elle a voulu me dire. C'est pour ça qu'ils acceptent plus les produits comme ça d'entretien ouverts et tout. Donc c'est compliqué parce que quand tu veux être un petit peu solidaire à ton petit niveau, il y a une abonnée par contre, plusieurs abonnés qui ont donné une super solution, c'est de donner à la SPA, parce que c'est vrai que la SPA, pas les jouets de Noël, hein, les produits ménagers, c'est vrai que la SPA, eux, ils en ont rien à cirer. Que ça soit ouvert, il n'y a pas de notion de « je suis une famille défavorisée », mais etc. Donc, pourquoi pas, effectivement, les produits d'entretien, n'importe lesquels, j'irai voir la SPA, parce que Christelle, elle ne va pas tout prendre non plus, elle va peut-être prendre que la lessive. Et ensuite, vous avez donné aussi d'autres solutions, de type les applications comme Give, ou les sites comme donon.com ou donon.org et compagnie. Mais je ne vois pas une famille se déplacer, prendre sa voiture ou autre, pour aller récupérer 3 ou 4 bidons entamés de liquide vaisselle ou de nettoyage de parquet, même si effectivement il y a des familles qui en ont besoin. Mais est-ce qu'ils vont faire la démarche d'aller sur ces sites-là? Je ne suis pas persuadé, parce que les familles qui sont vraiment très très défavorisées, n'ont vraiment pas de téléphone, pas internet, tout ça, donc ils vont passer par les associations, mais les associations ne prennent plus tout ça. Ah! Donc ce qui nous reste, on les laissera au prochain propriétaire. Ouh, la nounou aussi, on demandera. Et puis voilà, après, prochain propriétaire fera ce qu'elle voudra de ce qui restera. Mais voilà, donc cette question-là était quand même très compliquée. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Moi, ça m'a un peu étonné, la réponse de l'association que j'ai appelée. Même si en même temps, je comprends, comme je vous l'ai dit. On est sur le départ. Mais on avait oublié quelque chose d'essentiel. Le doudou d'Olivia. Ouais, hein. Doudou de voiture. Sans ça. La tétine de voiture. Est-ce qu'on peut dire par contre qu'Elena, elle a plus du tout de doudou? Plus de tétine, plus de doudou, c'est... Dans la voiture, amazing. Sans problème. C'est une grande vie. Oh.
Elena a peur de la balançoire. Bon, ça va lui passer. Petit après-midi terminé, on rentre à la maison. Et Bibou a tenté de faire du vélo. On va pas vous dire tout de suite si elle a réussi. Parce que pour la petite histoire... La dernière fois que j'ai fait du vélo, je devais avoir 9 ans. Et Bibou est persuadée qu'elle ne sait plus faire de vélo. Du coup, là, on a sorti un vélo chez Christelle et Julien. Dites-le en commentaire si vous pensez que Bibou a réussi à faire du vélo ou pas. Ça faisait donc combien de temps? Ça veut dire quoi réussir? Ça veut dire quoi réussir? À faire du vélo, je veux dire. Non mais bref, commentez, on va me mettre ça. Est-ce que je me suis gamellée quoi? C'est ça. Voilà. Attends, je te tiens. Attends, comment je me sens? Mais je vais où là? Je vais dans Tu vas là, comme ça, regarde, comme ça là, ici, voilà, okay. Et après, hop, là-bas. Mais allez! Ah! Mais t'as vu? Mais j'ai rien fait, j'ai fait 1 mètre! Mais oui, mais t'es pas tombé! Oh punaise! Attends, je suis pas bien. Voilà, c'est bon. Allez, prête? 3, 2, 1, go! Allez, vas-y! Va pas trop vite non plus. Alors, t'as vu? Alors? Non, attends, on va éviter de... Heureuse? Heureuse, voilà. C'est toi? C'est vous qui m'avez tous embêté à ce que vous voulez tous me voir faire ça. Moi, je sais pas faire de vélo. Mais si, tu viens d'en faire. Non, je viens pas de faire du vélo, je viens tu de... Tu viens de faire du vélo, t'es pas tombé. Oui, c'est normal, j'ai fait 3 mètres. Et alors? Attention, 1, 2, go! Oui! 1, 2, oui!